93 FM. Bonjour, nulle part dans le monde, il n'existe un pays dont les dispositions constitutionnelles obligent le président de la République à s'agresser à la nation ou de s'agresser à la jeunesse. Même pas la constitution du Cameroun. Il n'y a aucune loi qui dit que le président a l'obligation de parler le 31 décembre ou le 10 février. Du coup, il peut bien ne pas parler. Personne, aucune institution ne pourrait lui coller un quelconque procès. Les discours des chefs d'État à leur peuple, ce n'est pas une contrainte. Il en est de même des interviews ou des échanges avec des représentants des corps sociaux ou des catégories sociales. Le président a par exemple opté dans ce sens pour le régime des silences présidentiels, laborieusement théorisé par un aîné et défendu par les fervents croyants du renouveau. Depuis que ce régime des silences présidentiels tourne en plein temps, nous n'avons encore entendu que le président a été traduit en justice. Au niveau de la masse, il n'y a jamais eu de mobilisation pour dénoncer ces silences, ce qui signifie que personne ne lui en veut. Ensuite, la République ne s'est jamais arrêtée parce que le président n'a pas accordé une interview aux journalistes ou parce qu'il n'a jamais fait un point de presse. Jamais la République ne s'est arrêtée un jour. C'est-à-dire, les institutions n'ont jamais arrêté de fonctionner parce que notre président n'a pas accordé des interviews aux journalistes comme le font les présidents des pays plus évolués et modernes. Jamais. Alors, nous pensons que le président pourrait dorénavant observer ces mêmes silences pour ce qui est de ses agresses à la nation ou aux jeunes. Comme déjà précisé, rien ne lui arrivera. Certes, ces agresses sont devenues des traditions républicaines, des rituels républicains. Mais jamais elle ne saurait s'imposer comme des contraintes ou comme des obligations. Oui, le président, malgré le caractère ritualiste de ses discours du 31 décembre et du 10 février, peut décider de ne pas s'agresser à la nation ou de ne même plus s'agresser à la nation. Personne ne lui en voudra, personne ne lui portera plainte, même pas devant les tribunaux internationaux, et rien n'arrivera aussi au Cameroun. Le fonctionnement du pays ne prendra aucun coup, surtout que ses sorties sont égales à ses silences. Qu'il parle, qu'il ne parle pas, c'est toujours la même chose. Et beaucoup de Camerounais se sont même déjà habitués au silence présidentiel. Lorsque le président ne parle pas, ça ne leur dit absolument rien. Même lorsqu'il parle, ça ne leur dit pas toujours grand chose. Le président n'est donc pas obligé de s'agresser à la nation. Il n'est même plus obligé de parler aux Camerounais. C'est son droit le plus absolu. Qu'il ne se sente donc pas dans la contrainte. Que certains esprits qui n'ont pas encore compris que s'agresser à la nation, accorder des interviews ou organiser des conférences de presse, cela relève du bon vouloir du président. Que ces esprits retiennent la leçon aujourd'hui. Il peut arriver que le président soit très bousculé ou trop fatigué. Dans ce cas, il a tous ses droits de ne pas parler le 31 décembre ou le 10 février. Il peut arriver qu'il soit en manque d'inspiration ou en manque de mots. Cela peut arriver à tout être humain, même les Socrates. Dans ce cas, il a aussi tous ses droits de ne pas parler le 31 décembre ou le 10 février. Que certains ne pensent donc pas que le président est obligé de s'agresser à la nation. Que son entourage soit rassuré. Son silence, un 31 décembre ou un 10 février, ne constituera jamais une atteinte aux dispositions de la Constitution ou aux autres normes de l'infrastructure juridique camerounaise. Le président lui-même, qu'il soit rassuré, personne ne lui en voudra le jour qui lui arrivera de ne pas tenir les discours du 31 décembre ou du 10 février. Qu'il comprenne aussi que le peuple a déjà validé le régime des silences présidentiels. Le peuple s'est déjà habitué, accommodé à ces silences présidentiels. Avec la publicité faite sur les bienfaits, les mérites, les vertus des silences présidentiels, beaucoup ont même déjà compris que c'est souvent mieux pour le président de rester lui tranquille. Continuer à entretenir l'illusion selon laquelle le président est obligé de s'agresser à la nation, ça peut un jour le mettre dans l'inconfort. S'il est par exemple malade et ne peut par conséquent parler ni se tenir debout, on fait donc comment? On lui impose une peine supplémentaire. Si par exemple il n'a aucun bilan à faire, aucune promesse
ses affaires, il fait donc comment? Il invente un bilan comme ça ou alors il invente des promesses pour après parler de mensonges? Non, il ne faut pas mettre le président dans une posture inconfortable à cause de cette illusion de contrainte des discours présidentiels. Le président n'est pas obligé de parler chaque année. Il n'est même pas obligé de continuer à s'agresser à la nation. Ce n'est pas obligé. Même dans les pays les plus modernes, ce n'est pas une obligation. Il n'y a aucune constitution au monde qui oblige le président à s'agresser à la nation. Bon début de semaine à tous. 93 FM. 93 FM. Radio.